Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, prêt pour les fêtes ou pas? À vous. Prêt? Pas prêt? Moi, pas sûr. Vous savez, les trucs que vous achetez. Ça c'est presque fait. Sinon, Noël, j'ai fait mon sapin. Ah oui, vous l'avez pas vu? Je ferai une vidéo sur mon sapin. Ah oui, tout simple. Mais, il est vite fait quoi. Parce que j'avais un sapin blanc et rose et or. Mon ami m'a dit, oh, tu mets pas de rose dans la maison. Du coup, j'ai gardé toutes mes guirlandes roses. Parce qu'elles vont me servir pour autre chose. Mais du coup, j'ai mis. En fait, il est blanc, argenté, or et rouge. Et un petit peu de rouge pour donner une touche de rouge. Il n'y a presque rien en fait. Il est tout vide. Mon chapeau est tout. Et du coup, en fait, j'ai mon sapin. J'ai acheté un petit ange à Lidl. Et j'ai acheté un hibou à Lidl. Qui coûte vraiment pas cher. Et ça vaut le coup. J'ai acheté un ange parce que ma mère, elle fait pas de sapin pour Noël. Elle ne fait plus du tout de sapin. Et mon père, il fait pas de sapin non plus. Donc, du coup, j'ai acheté un petit ange pour mettre sur la table. Pour déposer les cadeaux. Et puis. L'ange, je me fera penser à. À deux personnes que j'ai perdues. À deux personnes que j'ai perdues, qui peut-être pour vous c'est rien, mais pour moi c'est beaucoup. Il y a un peu plus d'un an. Un an et un mois. J'ai perdu ma mémère. J'ai perdu ma chienne, donc la mère des bébés. Elle est décédée en sachant qu'elle avait un bébé en elle encore. Bon, on l'a amenée au véto et tout. Et elle nous a dit, ouais, mais elle est en train de crever. Comme ça, on nous a répondu, ouais, mais elle est en train de crever. Elle est en train de mourir et tout. Du coup, c'est pour ça, en fait, que je suis beaucoup complice avec les bébés. Parce que j'ai promis à ma chienne. Et ouais, vous allez me dire, c'est complètement débile. Moi, ma chienne, c'est toute ma vie. Ma chienne, mes animaux, c'est tout pour moi. En fait, l'humain est pas gentil, l'humain est égoïste, mais les animaux sont. Voilà, moi les animaux m'apportent tout ce que j'ai besoin. M'apportent l'amour, m'apportent la tendresse, m'apportent les câlins. Vous voyez, j'en parle, j'ai mon titi, il est juste là. Mon bébé, mon fils, il est juste là. Ma fille, elle est à côté, voilà. On m'a pris ma chienne, donc ma chienne est décédée, elle avait 7 ans. Elle m'a fait deux magnifiques bébés. Titi, arrête. Tu fais des coups, maman. Tu fais des coups, mon cœur. Elle a fait deux magnifiques bébés avec mon fils. Je les aime énormément et je ferai tout pour eux. Dix jours avant mon anniversaire, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Donc ça, j'en ai pas parlé parce que c'est un truc, voilà. Ça fait 3 mois. Bientôt. Ça va faire 3 mois. En fait, le 16 octobre, je suis partie à l'hôpital avec mes parents et mon homme pour tous mes rendez-vous. Et tout le long de la route, on n'a pas arrêté de parler des chiens, des chiens, des chiens. Donc mon père, il avait son chien que je lui avais offert. Donc il s'appelait Dada. Il s'appelait Mickey, mais on l'appelait Dada parce que c'était un chien super. Il avait 1 an, il allait avoir 2 ans. Voilà. J'essaie de prendre sur moi. Et en fait, on parlait, on a été au restaurant, et puis je disais, bah moi je garde mon repas pour Dada et pour les bébés. Et papa il me disait, ouais, j'espère que Dada ça va et tout. Il arrêtait pas de dire ça en fait. C'est plein de choses, plein de coïncidences qui maintenant font que je regrette d'avoir été à l'hôpital. Donc du coup on est rentré, on a fait tous les rendez-vous, on est rentré. Et en fait arrivé, ma mère et mon père il ouvre le portail. Parce que mon père s'est fait opérer, donc mon père est devenu handicapé.
On ouvre le portail et mon père, il est parti en courant, il hurlait. Et en fait, il y avait son chien qui était pendu. Ils nous ont pendus. Ils nous ont pendus, Dada. Vous imaginez, ça fait 10 jours avant mon anniversaire. Dix jours avant mon anniversaire, je perds la personne qui arrivait à me rassurer, qui arrivait à m'apaiser. C'est un chien. Mais le chien, il me voyait mal. Il venait, il me faisait des. Il venait, il me mettait sa tête sur moi, il me prenait le mal. C'est un chien qui a élevé les deux bébés. C'est un chien qui faisait un mal, il faisait la toilette, il s'est occupé d'eux comme ma chienne, il s'est occupé de lui. Les chiens, les bébés chiens, ils étaient malades quand. Ils étaient malades quand. Depuis, voilà, ils ont vu leur tonton pendu. Ils sont devenus méchants, du moins le mal est devenu méchant parce qu'on sait qui c'est qui a fait ça. Mais on peut rien faire, il n'y a pas de justice contre ça. Je trouve que c'est con, mais on tue pas un animal pour voler quelqu'un. On tue pas ça. Il faut arrêter tout ça. Moi, je me demande qu'est-ce que fait la justice parce que l'année dernière, pour Noël, mon père a donné des sous à la gendarmerie. Parce que soi-disant, il avait cassé quelque chose, alors que c'est même pas vrai. Des jeunes qui n'ont pas le permis, qui mettent des. Qui font des scénarios, qui font tout ça juste pour nous faire chier. Et encore, ils gagnent. Ils n'ont pas le permis, ils conduisent sans permis, ils conduisent sans assurance, sans rien. Des voitures volées, des drogués, tout ça. Et là, ils nous tuent le chien. On a été obligés de le détacher. On a été obligé de l'enterrer et tout. Personne. Personne ne peut comprendre la douleur que quelqu'un peut avoir. Et j'ai vu mon père s'effondrer devant moi. Et c'est le cadeau que j'avais fait à mon père. Quand ma chienne est partie, Dana, c'était le seul qui était là pour moi. Il faut savoir une chose, c'est que moi je suis beaucoup plus avec les animaux qu'avec les humains. Ouais, mon fort tempérament, mais là vous me voyez, mais je suis pas bien. Pourquoi? Parce que je vois que les jours passent. Il n'y a que des photos, il n'y a que des souvenirs. Et mon ange, c'est mon ange pour moi. Et quand je vais chez mon père. Mon père, il est malheureux. Je vois la maison vide. On rigole, mais il manque quelqu'un. Moi, j'arrive chez mon père et j'attends que mon chien il arrive. Et je le vois pas. Je vois les deux bébés qui me font un câlin, qui me sautent de joie et tout, de me voir. Mais il n'y a pas Dada. Et on rentre, on voit l'endroit où il est pendu. Où il était pendu, c'est comme si on revivait la douleur en fait. J'arrive pas à aller jusqu'à l'endroit. Vous imaginez, en 3 mois. En 3 mois, je suis encore traumatisée de ce que j'ai pu voir. Cas, il faut savoir une chose, c'est que la vengeance est à plat. Et que ça se mangera froid. Et que là, ils sont juste en train de tout faire pour m'épuiser, pour me rendre folle. Le jour qu'on a perdu, on m'a tenue. Je crois que j'allais les démonter. Je vous promets, je crois que j'allais les démonter. Ils font exprès de faire chier mon père. Ils sont en train de m'épuiser mentalement, mais ils sont en train d'épuiser mon père. Ils font mal aux deux bébés. Non. Par contre, je le dis, et je le dis devant la caméra. Il faut pas qu'il touche à mon père. Il faut pas qu'il touche au bébé. Parce que je vous promets que ça va mal finir. Parce que la justice fait rien. Nous, on est en règle. On a permis, assurance, tout en règle. Les gendarmes, ils vont nous faire chier.
Alors que vous allez avoir des jeunes qui ont quoi? Qui viennent juste d'avoir leur permis, que ça fait 3 ans qu'ils roulent sans permis. 3 ans qui font chier des gens qui sont rien demandé. Vous imaginez, nous, on est chez nous, on n'a rien demandé, on se casse le cul et tout. Et les gens, ils viennent nous faire chier. Ils nous épuisent mentalement, ils nous épuisent physiquement. Moi, je le dis, l'autre jour, on a été réparer un scooter et tout chez mon père. Avec mon homme, on veut partir. Les bébés, ils en peuvent plus, ils sont devenus vraiment méchants. Ma fille, elle en peut plus, ma fifille, elle en peut plus, elle est épuisée, elle a perdu son tonton, elle était tout le temps avec son tonton. Et c'est qu'elle m'amène le doudou de tonton. Toutes les peluches sont déchirées là-bas. Tout, 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 tout. Il n'y a pas une peluche qui n'est pas déchirée. Si, celle de Dada. Toutes les peluches, sauf celle de Dada, sont cassées. Comme si, par la présence d'une peluche, ils essaient d'avoir de l'amour. Mon père, il me fait, tu sais quoi? Toutes les peluches, elles ont été déchiquetées, sauf celle de Dada. Et vous savez, Dada, c'est un chien à 8 races. C'est un bâtard. Il avait du Golden Retriever, du Malinois, du Rhône, du Bos. Il avait toutes les races presque. Et j'ai sauvé. Ils étaient 8. Je les ai sauvés, les 8 de la mort. Les 8 ont été placés dans des familles. Les 8. Mon ex, ça m'a récupéré un. Ma pote en a récupéré un. Une. Les ressemble. Vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer. C'est horrible. La vie est horrible. La vie est horrible. Du coup, 10 jours avant mon anniversaire. Et je lui ai dit, je lui tenais la patte, il était décédé, je lui tenais la patte, je lui ai dit, t'abuses, 10 jours avant mon anniversaire, tu m'offres le pire de mes cadeaux. Et là, Noël arrive, son anniversaire arrive. Je leur souhaiterais aux autres, parce que j'enverrai un message au propriétaire pour ce anniversaire du chien. Mais mon chien, le chien, mon père, c'était le 31 décembre. Vous voulez que je fasse quoi le 30 décembre à part pleurer? Tous les jours, je pleure. On m'a dit, va voir un psychologue, ça va te faire du bien. Un psychologue, pourquoi? On va pas me rendre la personne. On va pas me le rendre. C'est la douleur. On m'a dit, ça passera avec le temps. Ma chienne, ça fait un an qu'elle est partie. Et ça passe pas. Ma mère. Et ça passe pas. Je me bats pour elle. Je me battrai pour Dada aussi parce que c'est ma vie. Ils sont là, ils sont là, en photo dans ma maison. Vous imaginez, je voulais plus manger et tout. Mon homme, il m'a dit, tu manges. Je fais non, je mangerai pas. Il m'a dit, mange, fais-le pour Dada. Et Dada, quand tu mangeais pas, il te faisait la gueule et tout. C'est vrai en plus. Quand je voulais pas manger chez mon père. Dada, il me fait un câlin. Et dès que mon père, il fait, ouais, ça veut pas manger. Et ben Dada, il partait, il sortait, il voulait pas me faire un câlin. Et c'est vrai en plus, c'est des choses vraies. Et c'est abusé. Du coup, je me suis mis une photo sur la table basse. Pour qu'il m'en fasse de moi, comme ça, quand je mange, il est en face de moi, il est avec moi. Maintenant, j'ai trouvé mieux. Je l'ai mis sur mon ordinateur. Et du coup, je l'ai mis sur mon ordinateur et j'arrive à manger en fait. Parce que je me dis, Dada, il est là. Voilà. Donc, il est parti, il est au même endroit que ma chienne. Je sais que là-haut, il nous voit, quoi. Mais il manque. Puis les fêtes arrivent et on me demande qu'est-ce que je veux pour Noël. Qu'est-ce que je veux juste avec les pères, avec toutes les personnes qui sont parties. Juste une journée avec eux. Tout le monde réunit. Une journée avec tout le monde.
C'est même pas une journée par personne, c'est une journée avec tout le monde. Parce que moi, c'est pas un cadeau qui. C'est pas un matériel, c'est pas un truc qui va s'abîmer, qui va se casser, qui marchera plus, c'est pas un vêtement qui va être trop grand. C'est un souvenir. Un souvenir, ça s'oublie pas. Un souvenir, c'est. C'est dans le cœur. Moi, ma famille me manque, mais ma famille me manque énormément. Ma famille, elle a. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. En tout cas, je vais pas vous embêter avec tout ça. Juste une chose, c'est profiter des gens tant qu'ils sont là. Profiter des animaux. Profiter de tout ce qui va être bien. Tout ce que vous aimez. Car la vie tient une seconde. Vous imaginez, je suis partie à 10h. Il était vivant. Je suis revenue à 18h, il était pendu à un arbre. Pendu à un arbre. Vous pouvez pas imaginer, c'est la pire mort pour un chien, être pendu à un arbre. Ma chienne, quand je l'ai sauvée, je l'ai récupérée. Elle était battue. Et sa mère a été pendue à un arbre, tirée dessus, elle était encore vivante. Ils l'ont traînée dans un village pas loin de chez mes parents. Et c'est une dame qui a retrouvé la chienne décédée, qui nous a appelé, qui nous a dit sa mère est décédée. J'ai fait putain. On avait tout fait pour la récupérer. Elle avec la fille et la mère. J'ai récupéré que la fille. Mes parents s'en ont voulu. Ma mère, elle a dit c'est abusé, on aurait dû récupérer les deux et tout. Alors que ma mère, ma mère en fait, elle a peur de tout ce qui est gros chien. Mais si elle a confiance au chien, elle a pas peur. Parce qu'en fait, c'est à nous de lui montrer qu'on peut avoir confiance en eux. Ma mère, voilà, mon homme, il a un gros chien, il a un dogue de Bordeaux. Ma mère, on a peur à l'origine. Elle a peur de tout ce qui est gros chien. Dès que ça dépasse un labrador, elle en a peur. Du coup, même mon chien, même Lasco, hein, c'est une race qu'elle a peur, qu'elle aime pas à l'origine. Mais Lasco a tout fait pour la rassurer, d'où le fait que, vous voyez, je suis en train de pleurer, j'ai mon chien, il me fait un câlin parce qu'il sait que ça va pas. Et mon chien, c'est quelqu'un qui, voilà. Il prend le rôle de dada. Non, mon bébé, tu prends le rôle de tonton dada. Il me fait des bisous. Il me fait des bisous, mon bébé. Savez ce qu'il fait. Il me chope les doigts. Voilà, ils vont me faire rigoler. Ils savent que ça va pas, les animaux. Ils sont là. Depuis tout à l'heure, il me fait des câlins. Depuis tout à l'heure, ils sont présents. Et un humain n'est pas présent. Voilà. Je vais vous laisser là parce que ça va pas et parce qu'il va falloir que je me repose. Parce que quand je finis, quand je suis tout en train de pleurer, je suis fatiguée, je suis épuisée. Puis la santé va pas derrière. Je vous laisse. En tout cas, je voulais vraiment que vous sachiez que la vie est très très courte. Je me suis livrée à vous en vous parlant de quelque chose. Et j'espère juste que. Un peu de rentrer dans ma vie, ben ça vous fera un petit peu plaisir. Je suis désolée, j'arrête ce vlog aujourd'hui ici. J'espère que tout ce que je vous fais partager, que ce soit mes montages vidéo, mes montages photos, mes vlogs, tout, j'espère que ça vous fera vraiment, vraiment plaisir. J'espère que vous me suivrez encore et encore. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des j'aime, n'oubliez pas de partager, liker, commenter, faites tout ce que vous voulez. Abonnez-vous si vous voulez plein d'autres créations de vidéos, il n'y a pas de souci. Mes vidéos, elles sont simples, mais elles sont moi. Donc voilà. Aimez vos animaux, aimez votre famille, profitez-en avant qu'elles partent. C'est un conseil. Moi, je me retrouve pas avec une grande famille. J'ai une grande famille, oui. Les gens que j'aime, la plupart sont partis. D'autres sont malheureusement éloignés de moi. Il me reste mes cousines, ma tante, mais avec le temps, elles partiront elles aussi. Et j'y tiens énormément. Je suis beaucoup famille. Je suis beaucoup attachée aux gens que j'aime. Je suis comme ça. Nous, les Basques, on aime au maximum. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Pour ceux qui sont en soirée, bonne soirée aussi. Moi, c'est que le matin. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine.